You ain't heard of shit like that. Working all night, you know shit like that. Cutting people off, you know shit like that. Not enough money, but I spend it anyway. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mr. Smith. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce pour avoir un véhicule rare dans la rue gratuitement. Donc ensuite, vous pourrez le vendre par la suite ou bien le garder en le customisant. Moi, personnellement, je vous conseille de le garder parce que c'est vraiment un véhicule super beau. Et en plus, il est déjà customisé à moitié. Donc c'est ça qui est super. Donc pour ce faire, vous devez tout simplement vous rendre à l'endroit que je vais vous faire montrer, indiquer. Donc vers l'heure, donc c'est 23h, donc c'est vraiment très important, il faut qu'il fasse nuit. Donc moi je vous conseille 23h. Une fois que il est 23h, vous allez tout simplement aller à l'endroit que je vais montrer donc sur la carte. Donc je vais vous montrer une image parce que je ne l'ai pas fait montrer en vidéo. Donc je vais vous mettre une image où est l'endroit indiqué. Et quand vous serez juste ici, vous devrez tout simplement attendre au moins 4 secondes sur le côté. Donc là, on va s'arrêter. Donc on va monter un petit peu plus haut. Là, on va s'arrêter 4 secondes. Et une fois, quand on va remonter, donc en accélérant et en allant sur la gauche, vous allez apercevoir une voiture jaune. Donc c'est tout simplement celle-là, le véhicule rare. Donc soit il sera jaune, soit il sera vert ou bleu. Ou soit il sera rouge, il me semble. Mais en tout cas, c'est soit jaune, bleu ou rouge, je ne sais plus. Moi, j'ai réussi à tomber sur le jaune. Donc, vous pourrez avoir le bleu ou bien une autre couleur. Donc, ça dépend. Donc, moi, personnellement, j'ai été le customiser. Mais je le trouve super beau comme il est maintenant. Mais moi, j'ai quand même voulu le customiser au max et changer la couleur. Donc ensuite, bah, comme je l'ai dit en début de vidéo, par la suite, vous pourrez soit le vendre ou soit le customiser pour ensuite le garder. Donc moi, j'ai voulu le customiser parce qu'il est vraiment super comme véhicule. Et comme j'ai pas beaucoup de véhicules dans mes garages, j'avais décidé de le garder. Donc là, j'ai fait carrément une très grosse avance rapide pour pas que la vidéo dure 10 minutes. Donc voilà, donc je vais vous mettre en miniature donc ce que ça donne en couleur. Donc si jamais je pourrais vous faire une vidéo par rapport à la couleur de la vidéo, donc si jamais vous voulez l'avoir, donc je ferai une vidéo plus tard si jamais vous voulez avoir exactement la même customisation que moi. Et bien voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi je vous laisse sur ces images, c'était Mr. Smith, bye bye.